Oui, et bonjour à tous, c'est Nours, vous le voyez, on est là pour une petite, peut-être un let's play complet, je sais pas, sur Resident Evil 7, sur PC. Donc, je m'ai continué, mais concrètement, j'ai joué juste 10 secondes, c'est le temps de lancer le jeu et de paramétrer OBS par rapport à ce jeu-là. Donc, je suis juste arrivé devant le manoir, j'ai fait 20 pas, et vous voyez, c'est ici. Voilà, ça recommence à zéro. Donc, vous avez absolument rien niqué. Je viens juste d'arriver en voiture, je me suis garé, je suis allé chercher ma copine. Parce qu'elle m'a laissé un message, a priori dans la merde, elle m'a dit surtout ne viens pas si t'as ce message, et moi je suis un peu têtu, un peu débile, et là je viens. Donc voilà, vous savez tout, et je découvre entièrement le jeu avec vous. J'ai regardé un ou deux streams, mais c'est tout, je voulais pas me spoiler. D'ailleurs, petite dédicace à toi, Kenat, si jamais tu regardes cette vidéo, je me souviens de toi, on devait avoir quoi, genre 15 ans, tu devais en avoir 7, 8, 6, je sais pas. Et je venais d'acheter Resident Evil 1 sur PlayStation. Et tu flippais ta race. C'était plutôt marrant. Donc, on va passer. Garder en fait. J'espère que le son sera bien réglé. C'est sympa. D'accord. Sympa. Ça quand même. Ah bah c'est elle ma mère. J'ai un vrai détective que lui. Wesh. C'est quoi la sensibilité? Je suis senti l'enculé. Sensibilité de la caméra à souris. On va diminuer ça. Sensibilité de la visée souris. Ok, verrouillage à la souris, configuration de touche. Attaque et recharger, garde, espace, ok, très bien. Changer de munition, G, changer d'arme à 2, 3, 4, Q, pas côté gauche, machin, tout ça, tout ça. Demi-tour rapide, X, se soigner, contrôle, pause, garde, V, ok, ok. Ok, déplacer, ok, bon, ça va le faire. Ah,
bizarre de jouer comme ça. J'ai l'habitude à jouer à chaîne, c'est bien en ce moment. Je fais voir. Et de rejouer la première personne, c'est chaud. C'est quoi ça? Sélectionner un objet utilisé. Mail de merde. Permis de conduire. Je comprends pas. Casserole, prends une casserole, Ah ouais, c'est bizarre. Maintenant ça va être dégueulasse. Ah ouais, je revois ça mec, c'est vachement bien fait graphiquement, j'espère que ça rendra bien sur la vidéo. Je vous jure que graphiquement, c'est chouette, je suis pas à fond. Plus moins de personnes qui se passent, j'ai besoin de tuer. Mais mec, mais pourquoi tu vas aller chercher ta meuf là-dedans? Tu t'en fous, ça fait 3 ans que tu l'as pas vu. Ma race. Je vais allumer la lumière. Je suis une putain de flippette. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, pied la vieille loge de merde de grand-mère qui fait que les poulets. C'est belle, très bien. Ça, on les garde après ou pas? Je comprends pas en fait. C'est ma meuf, wesh. Ouais. Putain, je suis sûr. Vous allez me prendre pour un mongol quand vous allez voir la vidéo, mais. J'ai pas compris le principe du truc en fait là. Je déteste ces trucs là, je sais pas pourquoi, là, c'était bien, je te jure, je déteste avoir peur. Un truc gore, ça me dérange pas, mais avoir peur, je vois. Il y a des bruits au-dessus, je m'en fous, j'y vais pas. Il y a un truc rouge. Sur ça ouvert un piège quelque part.
Yes. Donc le petit truc là, c'est pour sauvegarder. Ah, voilà, maison abandonnée. C'est bon, là, je pourrais aller la regarder là-bas. J'ai pas regardé si je laisse me cacher les trucs. Oh. Où t'as trouvé ce type? Lâche-moi un peu, puis... Hé, hey, je bosse qu'avec des professionnels. D'ailleurs, arrange-toi pour que le son soit correct cette fois-ci. Je veux pas un remake d'Amarillo. Mec, c'était il y a 2 ans. Je me tape pas le doublage. Le nouveau, là, je le sens pas. Encore? Alors sois pas étonné si on doit le virer. Okay. Nouveau plan. D'abord, on fait un tour à l'intérieur, et ensuite, on tourne l'intro. Comme d'habitude, quoi. Et n'oublie pas de dire le nom de l'émission, cette fois, hein. T'inquiète. Ce soir, dans Sewer Gators, un autre trou paumé sans intérêt. Ça te va? Fantastique. Vous avez dû entendre des bruits bizarres, c'est normal, j'ai mis mon téléphone à charger. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Merde, j'ai pas suivi, putain. Donc là, c'est là où on était tout à l'heure, en fait. Quand on est rentré à la maison. C'est ça. Est-ce qu'on tourne? C'est dégueu, c'est pas le stream, hein. C'est parce ok, que on y va. Regarde une cassette, machin. Moi aussi, ma tête. Laisse-moi faire. C'est bloqué. Après toi. Alors, c'est quoi l'histoire aujourd'hui? LDLC. Tu te prépares jamais. Préparer quoi? Une baraque pourrie, des bruits étranges? Oh, elle est hantée? Quelle merde! J'étais présentateur, moi! Remplaçant le week-end, Pete. Seulement remplaçant. Qu'est-ce que t'as dit? Rien. C'est quoi l'histoire, André? Une ferme abandonnée, une famille disparue dans des circonstances suspectes. La routine. Tu dis que ça fait combien de temps que la maison est abandonnée? 3 ans. Oh. Hey Clancy, filme un peu ça. Ça peut faire un bon plan de coupe. Donc, une famille de pecnos disparaît et... Pas des pecnos, les Baker. Jack et Marguerite Baker. Une famille normale, plutôt visible. Il y a pas mal de rumeurs sur leur fils, Lucas. Lui a mal tourné, apparemment. Merde! Je savais que j'aurais pas dû mettre mes chaussures neuves. Oh putain. Heureusement que j'ai fait mes vaccins. Mais bon. Non, c'est pas bien les vaccins. On pourra nous faire un super décor. André, qu'est-ce que t'en dis? André? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, mon Dieu? André? André? Benzi, tu sais où est passé André? Allez, ça y est, il est mort, il s'est fait péter. Il est où? Putain, j'y crois pas! Tu fais une tasse, mais... C'est la dernière fois que je bosse avec ce mec! Tu sais, les producteurs, ça va, ça vient, mais. Ça vient, mais un bon lumière, caméraman quoi. Comme toi, Clancy! Reste près de moi. Est-ce que vous voyez. Ah, là, est-ce que ça me cache quelque chose ou pas? Non, ça me cache rien. Juste les FPS. Je suis à 170. C'était quoi ce truc? Ouvrir, vas-y, mec! T'as entendu? André? Fallait avoir peur. Il est où, putain? André, t'es passé où? Faut pas sauter. Ah merde.
Tu crois vraiment qu'il est dans la cheminée? C'est quoi ce bordel? Tête de cul. C'est pas possible, je rêve. Secret. C'est quoi ça? Ok, changement de programme. Les gens n'ont parlé, André. On trouve André et on se tire. Tant pis pour l'émission. Du coup, maintenant, je sais qu'il y a une ouverture de passage secret. Avance ton fion, putain! Oh, ça m'énerve les gens. Hein. L'ambiance, franchement, elle est bien. Tu vois quelque chose? Y'a quoi en bas? Bah, y'a André qui est mort. Ok, on en saura pas plus. Et là, vu que t'es logique, t'es un mec logique, ce que tu allais faire la même chose que le gars. C'est-à-dire que tu vas aller ouvrir le passage secret. Oh mon dieu! Dans la cheminée, voilà, normal. Pour aller voir le monsieur qui est mort en dessous. Mais en même temps, j'ai vu qu'il y a juste deux secondes avant d'ouvrir le passage secret. C'est une porte au fond, je ne suis pas allé voir. Télescopé. Mais bon. Merde! Je regarde partout parce que je me souviens dans les premiers jeux. En fait, il y a des trucs cachés dès le début et si tu les prenais pas, bah t'es dans la merde, mais tu peux plus les reprendre après. Parce que, genre, bah voilà, par exemple, t'as des... des séances trop longues parce que j'essaie d'enregistrer en assez bonne qualité et je pense que ça va merdouille pour le prod si je fais le truc. Donc on a quasiment 20 minutes, je pense que je vais faire le petit eh ben ça va être plus André non, avec des petits verres dans la tête. Maman, les petits enfants. Ben, daddy, all, bad, maman, you, daddy, I will not be bad. Quoi? Again? Non, pas again. Quoi? I'm sorry. I'm sorry, papa, désolé, papa. Papa, où t'es? Salut, papa. Ah bah oui, bah c'est bien, tu te drogues. La drogue, c'est mal, arrêtez, non mais oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, déjà, on prend. Voilà. On va pouvoir ouvrir les chaînes, très très bien. Ça, on prend parce que, à mon avis, Ben, il est mort. Harold, il a tourné, à mon avis, ils sont très souvent dans une dead. Et il y en a pas mal quand même qui sont dead. Ouais, à muter, okay, très très bien. Ok. Qu'est-ce
Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre? Ah, ça doit être les photos des mecs. Un stylo, ça peut servir. Attends, parce qu'il y avait un truc là. Là déjà. Mia? Mon avis, c'est le temps fermé, c'est qu'elle a un petit peu zombie sur les bords. Morte. Ça peut vous faire Mia, peur. Dieu merci, tu es vivante. C'est moi, c'est Ethan. Ethan? Ethan? Est-ce que ça va? Tu ne devrais pas être là. Comment ça? C'est toi qui m'as appelé. Non, non, je te le jure. Je l'ai fait. Ça me serre un petit peu les boobs. Quelqu'un t'a vu? Est-ce qu'il t'a vu? Il? Qui d'autre est ici? Mais qu'est-ce qui se passe? Papa va venir. Il faut qu'on parte. Papa? Il faut partir maintenant! Ah, c'est le papa Sully. C'est elle qui a marqué papa Sully. Désolé, papa. Qu'est-ce qu'il y a dans, dans sa cage? Ah, la chine en vaisseau. C'est pas très rapide. Mais t'es où? Attends-moi, putain. Où est-ce que tu m'emmènes? Quelque part en lieu sûr. Est-ce que tu vas me dire ce qui se passe? Chérie, t'as disparu depuis 3 ans. 3 ans? Ça fait 3 ans que j'ai pas vu, pardon. Déjà 3 ans. Vas-y, mais bouge pas, Nazim. Là, j'ai fait de la magie à distance. Tu as un petit massage? Mais c'est quoi cet endroit? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Non. On doit d'abord sortir d'ici. D'accord. Je crois que c'est par là. Tu crois pas. Ouais, ça a l'air sympa ce qui se passe ici, non? Il y a une petite loge, un truc. Ok, c'est un dentiste. C'est peut-être une. Ok. Très bien. Mia, il faut qu'on parle. Ce message que t'as envoyé. Pas moi. C'était pas moi. Mais tu l'as fait. C'était pas moi. Ok, d'accord. Mais dis-moi ce qui se passe. Je te promets que je te dis tout ce que je sais. On doit passer par là. Mia. Tu es sûre de savoir où tu vas? La famille m'apportait de la nourriture par ici. Je m'en souviens. Bah vas-y, putain! C'est quand même vachement beau. J'espère que ça rentre pas bien sur les. Number one, you know? Faut retenir ce chiffre. 1. C'est le petit message subliminal du jeu. Là! Ça me rappelle c'est là! C'est ici. Arrête d'être con, ouvre-la, putain. Ah, si c'est tout le temps aussi lent que ça, ça va me souvenir. Je me souviens de cette pièce. Il y a une autre porte ici. J'en suis sûre. C'est bien. Non. 0, 0. Elle est plus là. Elle est plus là, elle a disparu. La porte a disparu. On va être une famille. Maintenant que tu es ici. Vous retenez pour moi E001. Vous me dites dans les commentaires sur la vidéo ici. E001. Oh, petite poupée vaudou. Bah, c'est ma copine en fait. Faut pas la prendre. Notre petite poupée. Non, non, qu'est-ce que t'as fait, Mia? C'est quoi ça? Bah, c'est pas comme rien. Et là, genre dans le premier zone TV, dans le premier couloir, il y a des chiens qui passaient à travers. Peut-être si j'ai le temps, alors franchement, vu que j'ai pas le temps en ce moment, je sais pas. Peut-être si j'ai le temps, je ferai un montage de fou avec des mix entre les vidéos du premier zone TV et celui-là. J'aimerais vraiment le faire, mais j'ai vraiment pas le temps.
Ma race. Je regarde pas. En fait, je vois parce que là, il y a les fonds stream. Bah, t'as changé. T'es calmé, connasse. Je peux l'entendre. Je peux la sentir reprendre possession de mon corps. Va-t'en. Laisse-moi tranquille. Dans ta tête, je madame. Pour prendre la petite pilule rose. Je mérite ceci. D'accord, donne-moi le couteau. Je veux le couteau. Qu'est-ce que t'es devenu, Mia? Laisse-toi tomber. Les gens, ça disparaît en live. Hello, man. Bonjour. Hello, man. Ça, c'est un jeu bien logique. Je peux pas lui parler, elle est morte, on sait pas pourquoi. Et... Je suis désolé, on n'aurait pas dû venir ici. Qui êtes-vous? Et qu'est-ce qui se passe ici? Je m'appelle Zoé. Tu dois pouvoir sortir par le grenier. Le grenier? Vas-y. Maintenant. Vas-y, maintenant. Taras, c'est quoi que c'est ouvert? Ouais, la vache. Elle s'est barrée? Elle est où?
c'est assez bien ça. Sur la carte en fait. Sur la carte, ce symbole là, là, ça veut dire une clé, ça veut dire qu'il faut une clé pour aller à un truc. Très bien. Pour aller au grenier, il faut que j'aille là. Parce que la porte d'entrée, elle est à mon avis. Activer le truc du dessus, je pense qu'il va falloir que j'aille en dessous pour mettre le fusil. Vous êtes d'accord avec ça? C'était où le fusil? Non, c'était pas le fusil. Ethan, ça va aller. Ça va aller, c'est moi. Je sais que tu ne voulais pas me blesser, mais... Je vais pas lui couper avec tête une main. Mais t'aurais pas dû faire ça! Ça fait putain de mal! Parce que là, c'est vrai. Un bon ami, cette dame, est monstrueusement inaccessible. Non! À ton tour de souffrir! Très problème, ma fille. C'est mon job! Je vais contenir! Je vais arrêter! C'est promis! Mais je dois tout brûler! Genre, je vais faire tout le jeu avec une main en moins. J'ai récupéré ma main. Ah, je l'ai récupéré en vrai. J'ai ma main. C'est déjà quoi plus? Votre main gauche sectionnée. Elle est encore chaude. D'accord. Va se passer dans le grenier. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à follow sur les réseaux sociaux. Tout est en dessous. C'était Nours au micro. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao.